Monsieur Bernalicis, c'est la parole. Je ne résiste pas à cette opportunité qui nous est offerte de questionner les futurs 5 800 véhicules qui arrivent en nombre massif. Je n'ose espérer qu'ils seront tous livrés en 2019, tant nous savons que les véhicules de l'année dernière n'ont toujours pas fini d'être livrés et que c'est comme ça chaque année. Je ne résiste pas au plaisir de vous partager cette information, mais ça, c'est le monde réel. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Juste, monsieur le ministre, j'en profite, puisqu'on va avoir quelques questions sur les véhicules et sur le carburant. Les 5 800, ils sont quoi? Ils sont au diesel ou à l'essence? Parce que comme vous augmentez la taxe, ce serait mieux qu'ils soient plutôt à l'essence qu'au diesel, voire même électrique pour un certain nombre d'entre eux. Mais peut-être vous allez nous donner des grandes nouvelles ce soir. Je ne l'ose l'espérer, vu que vous savez, je sais en tout cas, j'ose espérer que la transition écologique, la transition énergétique, le souci de la défense, du maintien de l'environnement, de l'écosystème qui permet la vie humaine, est pour vous une boussole chaque matin où vous vous levez, de sorte à ce que nous laissions à nos enfants et nos petits-enfants une planète vivable, y compris avec des policiers qui n'auront pas à suffoquer de leur propre gaz d'échappement. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Juste indiquer à monsieur Bernalicis que je n'ai pas la prétention de choisir les modèles de véhicules de la police et de la gendarmerie. Et que contrairement à vous, je n'ai pas cette prétention. Et que par contre, je fais totalement confiance aux autorités locales dans chacun des territoires pour savoir quels sont le type de véhicules dans le cadre des marchés publics dont ils doivent se doter. Mais évidemment, politiquement, nous savons tous que notre administration se doit être exemplaire et qu'évidemment, quand les véhicules existent sous différentes options, il faut exclure le diesel dans nos acquisitions. Mais contrairement à vous, je ne prétends pas acheter et choisir les véhicules qui occuperont nos forces de l'ordre. Je leur fais totalement confiance.